Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Dieu, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive? Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal, en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait et il vivrait. Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus. À cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. » Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Jésus nous rappelle que les paroles aussi peuvent tuer. Quand on dit d'une personne qu'elle a une langue de vipère, que veut-on dire? Que ses paroles tuent. Par conséquent, non seulement il ne faut pas attenter à la vie du prochain, mais il ne faut pas non plus déverser sur lui le poison de la colère, ni le frapper de la calomnie.
L'amour du prochain est une attitude tellement fondamentale que Jésus va jusqu'à affirmer que notre rapport avec Dieu ne peut être sincère si nous ne voulons pas faire la paix avec le prochain. Votre émission priante chaque jour de carême. Je suis le père Victorino Marek, je suis aumônier de la maternité publique à Buenos Aires. Aujourd'hui, on pourrait réfléchir, bref, sur la nourriture qui amène la carême. Ou la réflexion sur comment nourrir aux autres. Parfois, on pense au miracle que Jésus a fait. Il a multiplié la nourriture. Mais la carême nous offre aussi la possibilité de réfléchir de quelle nourriture avait soin mon prochain. Parce que la nourriture, parfois, c'est peut-être être là, silencieux, mais être là. Pas seulement être là pour que l'autre se sente accompagné. Juste être là, une présence fraternelle qui lui soutient en silence. Parce que la parole, la meilleure parole, c'est celle qui provient par l'Esprit du bon Dieu. La meilleure parole, ce n'est jamais la parole qui peut produire nos cerveaux, mais celle que l'Esprit va offrir à partir de lui. C'est nos sentiments de grandeur nous aimerait sentir que nous sommes intelligentes, bien agissantes, très fraternelles. Mais la vraie fraternité, c'est être présente d'une manière fraternelle, pas juste une espèce de compagnie matérielle, émotionnelle, pour que l'autre puisse rencontrer, recevoir et apprendre à manger, à se nourrir de ces paroles qui proviennent du Saint-Esprit à l'intérieur de son cœur. Paroles qui parfois commencent à faire bouillir à l'intérieur de chacun des différentes situations qui nous renforcent pour vivre des différentes expériences, que parfois nous apaisent, nous calment, nous disent arrête, ça suffit, ce n'est pas le bon chemin, essaye un autre. Ô Seigneur, tu as nourri les pauvres, ceux qui avaient faim. Aide-nous à nourrir nos frères par le silence, par la présence fraternelle de ceux que toi tu veux les apporter pour ces nouveaux chemins de vie dans cette carême. Et réfléchissons une fois de plus. Qui autour de nous a besoin d'être nourri d'une manière différente.